mental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je ne suis pas seul pour ces deux, je suis avec mon beau-frère. Salut tout le monde. Putain, la famille, vous savez pas comment ça fait du bien de profiter un peu de son jardin depuis que le confinement est commencé. J'ai passé combien de temps ici? C'est la première fois. Voilà. C'est des coups de vent. Voilà, c'est tout. Je sortais pour voir juste les chasses qu'ils faisaient et puis je rentrais. Je restais vraiment pas plus de 15 secondes dans le jardin. Là, j'ai décidé de faire cette petite vidéo dans le jardin en calme avec mon beau-frère. C'est quand même mieux, regarde. Le bruit des arrosoirs, le bruit des oiseaux. Des arrosoirs? Ouais, un arrosoir, t'entends pas? C'est un arrosoir. Un arrosoir? Ouais. Non, c'est un arroseur électrique. Un arrosoir. C'est pareil, les mecs. Un arrosoir, ça peut pas de bruit. Ouais, un arrosoir, voilà, un arrosoir électrique, voilà, électronique, voilà. C'est pareil, t'as compris. Okay, bref, j'ai compris. Allez, on attaque la vidéo. Et à la famille, pour ceux qui sont confinés et qui s'ennuient vraiment et qui s'emmerdent, n'oubliez pas, hein, de 21h à 7h du matin, on est sur Mixer, en description. Donc si tu t'emmerdes entre temps, viens nous rejoindre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un j'accepte ou j'accepte pas que ma femme. Alors, oula, j'accepte ou j'accepte pas que ma femme ait accès à mes réseaux sociaux. Moi j'accepte parce que j'ai rien à cacher. Ben moi c'est pareil, j'accepte et en même temps elle les a sur son téléphone. Moi aussi elle a tous les codes. En fait il y a même des codes que je connais pas que elle connaît. Voilà, donc on n'a pas trop le choix en même temps. On n'a pas trop le choix. Parce que c'est surtout elle qui s'occupe un peu de tout, je crois. Oui, c'est... Donc on n'a pas le choix à ce niveau-là. Les abonnés, tu penses que c'est ça. Des fois je suis en live et je dis bébé, c'est quoi déjà mon mot de passe Snap. Je ne la fais plus. Elle arrive, elle attrape le téléphone, elle fait tac 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 tac. Tiens. Tiens. Ah, donc on n'a pas le choix de toute façon. Donc à ce niveau-là, on n'a pas le choix. Que ma femme part en vacances sans moi. Ça dépend où et avec qui. Non mais même c'est mauvais, les couples qui partent, je trouve en vacances séparés. Pour moi en tout cas, attention, c'est mon point de vue. Chacun son point de vue, mais pour moi un couple, on part ensemble ou on galère ensemble, c'est tout. Imaginons le contexte, genre elle travaille, tu travailles, et vous avez pas les mêmes trucs de vacances. Ah oui, bah oui, là, elle peut, oui, ça dépend avec qui. Ouais, ça dépend avec qui et comment en fait, ça dépend le concept, comment c'est fait, avec qui, comment, pourquoi. Ouais bah oui, ça dépend. Parce que nous c'est déjà arrivé, hein. Ça dépend. Moi perso c'est déjà arrivé, hein. Oui. Ouais. Moi perso, quand j'avais mon magasin au Gros du Roi, je suis parti 3 mois tout seul, elle était toute seule. Là, quand mais t'avais un magasin géré, t'étais pas en vacances. Ouais, mais là, quand j'étais là-bas où j'étais, elle venait en vacances chez toi toute seule. Elle... Ouais. Après, ah, mais quand j'étais en beau-frère, c'est ce que je dis, ça dépend où elle va, comment et pourquoi. Exactement, voilà, c'est vrai. Ça dépend, c'est vrai. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme ne répond pas aux appels ou aux messages pendant plus d'une heure. Je peux... Tu peux parler du hab, je peux éviter de répondre à cette question, s'il vous plaît, parce que moi, en fait, je vais vous dire, j'ai pas trop le choix, parce que des fois, le numéro, il est bloqué. C'est un truc qui se passe souvent quand on est au Habs, on galère un petit peu comme le bof. Et pas une heure. On pète des câbles, on crie comme des cons. Ma belle-sœur, elle dit, ah, tu cries, ok. Paf, hop, bloqué. Il n'y a plus personne, il appelle pendant ça. Vous êtes bien sur le téléphone. Donc toi, t'as pas le choix que d'accepter, quoi. Et nous, c'est l'inverse dans notre couple. C'est souvent moi, des fois, qui répond pas à ma femme quand je lui fais la gueule. Voilà. C'est l'inverse. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme ait un ami garçon. Bah moi, j'accepte. Moi, tous ses potes, c'est mes potes, donc... Par contre, moi, je vais te repasser une note. Est-ce que toi, t'acceptes que... Absolument pas. D'accord, j'allais poser la même question, moi j'ai pas trop le choix, parce qu'elle en a et je peux réagir, mais est-ce qu'elle accepterait que moi j'ai des amis filles? Absolument pas. C'est bien des sœurs, elles ont le droit d'avoir des potes, ça veut dire qu'on est des grosses putes, on est des dames. Voilà. Merci. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme sorte en boîte de nuit sans moi. Alors là, déjà, on s'en parle. La boîte de nuit, qu'est-ce que tu racontes? À la maison. Quoi? T'as dit quoi, pardon? Boîte de nuit. Tu veux écouter la musique? Va dans ta chambre. Il y a Spotify. Tiens, il y a la piste là, vas-y. La musique, il y a la piste. Elle est en boîte de nuit. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme utilise ma carte bleue. Oh, on a pas le choix. Ça, c'est pas le choix. Même si pas, tu utilises sa carte bleue. Même pas, tu utilises sa carte bleue. T'es rempli, sale bâtard. Donc, voilà. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme porte mes vêtements.
Oh, ça, tu as déjà porté mes vêtements. Mmh. Ouais. Elle m'a déjà, je l'ai insulté en plus. Elle m'a niqué des t-shirts. Je peux dire quelque chose qui n'est pas trop méchant. T-shirt, à la fin, il était grand comme ça. C'est ce que j'allais dire. J'avais une poitrine au niveau du t-shirt. Je ne comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Quand je portais le t-shirt, ça faisait ça. Tu voyais plus tes pieds. Allez, j'ai attrapé ça, tu regardes le. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle rentre pas dedans. Le problème, il est là, tu vois. Avant, je rentrais pas dedans. Avant, maintenant, tu veux mon bulle, on essaye. Bah, je suis sûre que je rentre dedans. Ah hein. Oui, mais ça va être un peu serré. Ça va faire moulant, écoute. Prochaine question. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme parte seule à la salle de sport. Mais oh, quel sport, Guéné. Le seul sport qu'elle fait, le seul sport qu'elle fait, ménage, montage de vidéo, c'est ça, voilà, et monter les escaliers. Oh, le seul sport qu'elle fait par jour, c'est Sony Vegas. C'est le truc qu'elle fait. Et tu me racontes. Et au maximum, si elle a envie de faire du sport, elle va prendre un petit truc et elle va faire du vélo. Le vélo là-bas, le vélo de salon, au maximum. Et encore, on en a acheté, ils ont tous fini au garage. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est un coup de vie, tu vas en magasin, ouais, mais là, ouais, je t'en prends. De sport. Ouais, deux minutes, fait... une semaine de sport, et le truc est fini au garage. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme réponde à mon téléphone quand il sonne. Bon, j'accepte. Ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Parce que lui, la plupart du temps, il me dit tiens, réponds. Ouais. Moi, ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Que tu veux répondre, réponds. J'accepte ou je n'accepte pas que le gynécologue de ma femme soit un homme. Ah, un peu moins quand même. Ben, je vais vous donner une petite anecdote. On a chaud aujourd'hui, frère. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand ma fille, quand ma femme était enceinte. Une petite anecdote. Ouais, quand ma femme. Une petite anecdote. Ah, une petite, pardon. Quand ma femme était enceinte, le gynécologue, j'ai failli l'exploser. Ah ouais? Ah, j'ai failli le tuer. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Alors, il me dit, l'avant-dernière fois qu'on la voit, échographie, il me dit. À 99%, c'est un garçon. Moi, je pète le feu, je vais pour acheter des trucs et tout. Elle me dit non, attends. On retourne à la dernière échographie. Il me dit, on vous a dit c'était quoi le sexe? Je le regarde, je dis oui, tu m'as dit que c'était un garçon. Il m'a dit non, c'est une fille. J'ai failli, j'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer. Ah ouais. Ah ouais. Donc, je préférerais que ça soit une fille la prochaine fois. J'accepte ou je n'accepte pas que ma femme parte seule faire du shopping. Bon, déjà, elle va se faire chier toute seule. Ouais, déjà. Ça me dérange pas, mais. Moi, ça me fait chier le shopping, donc je vais bien aussi qu'elle fasse tout seule. Ouais, vas-y, toute seule, ouais, parce que. Pour aller chercher du maquillage, pour aller chercher du maquillage, des trucs comme ça, ça me dérange. Tu passes 40 minutes chez le truc là, comment ça s'appelle, Sephora. Le parfum Sephora là. Elle ressort avec 4 parfums, une trousse à maquillage et le truc de Fenty Beauty de chez Rihanna là. Et puis, c'est qu'on ne peut jamais s'en servir. Encore ma femme elle se maquillerait comme une bagnole volée. Vas-y achète des maquillages, c'est pas grave. Mais elle utilise pas grand chose. Bref, t'as une autre question? Non, c'est terminé. Terminé? C'est terminé. Et toi du coup ta femme alors, tu accompagnes au shopping? Moi je l'accompagne. Moi déjà si elle veut je l'accompagne, mais elle peut aller faire du shopping toute seule. Parce que ça fait plus chier qu'autre chose. Le shopping ça me fait chier. Moi, quand c'est pour nous. Moi j'aime, ma femme, moi j'aime ma femme mais le shopping ça me fait chier. Ah non mais ma femme elle connaît, même quand c'est pour moi. Elle est obligée de me tirer par le callback. Hein. Bon la famille, j'espère que du coup vous avez aimé cette petite vidéo avec le bof. Quoi? J'ai rien. Ah, va pas nous faire un truc bizarre parce que tu risques de ramasser mon copain. J'ai rien. Bref, la famille. J'aime pas trop un mec derrière moi. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la Mifa. Et la prochaine fois, on fait. Vidéo. Et la prochaine fois, ce sera l'inverse, ça sera à nos femmes, du coup, qu'on posera les questions. Et voilà. Si vous avez kiffé, en tout cas, bah, tant mieux. C'était histoire de vous divertir pendant ce putain de confinement. Ça commence à être long. Ça commence à être très long. Très, très long. Bref, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. La chaîne de mon beau-frère qui sera aussi en description, j'ai oublié de vous dire dès le début. Et voilà. La chaîne Mixer qui est en bas. Faut aller le voir parce que toute la nuit, il est avec vous. Toute la nuit. Come on here. Voilà. Come on.